Elles ont affiché complet le jeune femme leader venu des différentes plateformes pour participer à la séance des préconsultations organisée par le réseau de jeunes femmes leaders africaines. Alors l'activité d'aujourd'hui, il s'est agi d'une préconsultation de jeunes et des femmes qui font partie du AWANIL RDC avec pour en perspective d'une retraite qui va avoir lieu les 15 et les 16. Et la consultation a été générale, c'est aussi les questions de l'implication de la COVID, comment la COVID a impacté les femmes leaders dans leurs activités quotidiennes, sur le plan économique, sur le plan de l'accès à l'information et de façon générale dans leur vie quotidienne. On a évoqué les questions de mentoring, les besoins des jeunes femmes récentes en termes de mentoring, la disponibilité des aînés pour mentorer les jeunes femmes et donc les débats était très intéressant et je crois que ça promet de bonnes perspectives. Voilà, le jeune femme invitée était-elle de quelle? Ce sont des structures confondues, elles viennent des différentes plateformes parce qu'ici on promet juste des leaderships. Le leadership n'est pas calqué sur un modèle, donc c'est des femmes qui évoluent dans les domaines différents.